il y a aussi une découverte ancienne qui est signalée à Montpérou. Ici, on est en train d'arriver sous le col de Chamoisin. On va aller sur la zone du glacier de la Forque et puis sur le col de la Forque. The Swiss archaeologists I accompanied for this story are increasingly coming across ancient artifacts that were once hidden deep beneath the ice, but are now reappearing because of climate change. Et puis on va arriver dans une zone où on a un glacier qui est en train de se retirer, et puis on a la découverte de nombreux objets archéologiques. Puis là, on a eu une nouvelle annonce il y a une semaine de découverte archéologique, et puis aujourd'hui, on va documenter ces découvertes. For archaeologists, glaciers are like time machines. They preserve organic material for centuries or even thousands of years. If we had come here a few centuries ago, the ice shield would have extended dozens of meters into the sky, really covering the entire valley you can see here. But this is a glacier that is dying, and the researchers I spoke to here said that in 10 or 20 years, all of the remaining ice will probably be gone. Even 30 years ago, Switzerland's Forkla glacier still covered much of this valley. Since then, it has shrunk significantly. Glaciers like this one will be among the first to disappear. Over the past months, Swiss glaciers lost 6% of their volume compared to last year. It's the worst ice loss ever recorded. But for archaeologists, it's also an opportunity. The more the ice melts, the bigger their chances to find artifacts from thousands of years ago that were dropped by warriors or hunters. Alors aujourd'hui, on a mis en évidence différents éléments. On a des bois travaillés, mais qui ont l'air d'être des bâtons pour marquer le passage. On a une lanière en cuir, qui est probablement soit un élément de ceinture, soit un élément de serrage, qu'on peut malheureusement pas dater comme les bois, parce que tant qu'on n'aura pas une datation absolue avec le radiocarbone, ce sera très difficile de proposer quelque chose. Et puis, autrement, on a trouvé des bois travaillés très finement, qu'on peut associer à l'époque romaine, parce qu'on a déjà daté une série de ces bois trouvés ici sur ce site. The researchers largely rely on hikers to alert them to new findings. Despite the increase in new discoveries on glaciers, the number of archaeologists that work in this field remains small. And for every site where they discover new artifacts, they fear that many others go unnoticed. C'est une opportunité d'un côté, et puis l'opportunité c'est d'en savoir plus, d'apprendre des choses à partir de ces découvertes dans les glaces que nous ont laissées les gens qui nous ont précédés, mais en même temps c'est un grand challenge. Les découvertes qu'on fait dans les glaces, elles sont très fragiles, elles se détériorent vite avec le gel, le dégel, les champignons qui viennent se mettre dessus dès le moment où elles sont à l'air libre. Et puis, si on n'intervient pas rapidement, elles vont disparaître.